Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, voilà, aujourd'hui la Fast and Furious, la Nissan Skyline GTR de chez Altaïa, un fascicule le 36. Donc toujours pareil, évidemment les reportages sur Nissan Skyline GTR. Voilà, les reportages sur l'épopée de Fast and Furious. La Dodge Viper, le diable rouge. La puissance sous contrôle dans l'esprit tuning. Voilà. L'histoire de Nismo All Japan. All Japan Sport Prototype Championship 1990. La partie 2. Et l'héritage sportif de Nissan. Et voilà, et là on arrive sur les pièces avec les parties avant de la carrosserie 2. Donc là du coup on va avoir un ventilateur secondaire, tige de capot, panneau circulaire derrière, bon, même bref, tout un tas de petites pièces à mettre sur l'avant de la voiture avec le pas à pas. Voilà, et notre résultat final. Et il faudra garder la barre de torsion de côté. Voilà, donc de suite, et bien on va attaquer, hein, sans plus tarder. Voilà la pièce et voilà le pas à pas. Donc on récupère le 35A qu'on avait mis les petits trucs là dessus, et on va installer dessus le ventilo secondaire et ça. Donc on vient, il s'enclenche dedans, voilà, s'il veut bien engager. Ah oui, voilà, bon, voilà, ça tourne pas, hein, c'est juste factice. Ici on va venir le positionner ici. On va y mettre une vis à M. Voilà. On récupère ensuite les deux klaxons. Donc là, on voit qu'il y a un petit emplacement, à mon avis. Voilà, ça vient là. Et on va y mettre aussi une vis ici, AM, je crois, une AM aussi. Voilà, on le met dans l'encoche là, et là on va y mettre une vis AM. Voilà, klaxon, ventilo secondaire. Ensuite on récupère notre devant de châssis avec le moteur. Et on va venir le positionner à son emplacement. Voilà, ici on le maintient avec quoi, de la AM aussi, non, au plat, que je dise pas de bêtises, je vois qu'il m'a noté 2 AM là. Ah oui, à travers quoi, oui, ici. Ah oui, devant il y a 2 AM. On va mettre. Ah. Il y en a 2 ici. C'est-à-dire là et là. Et puis on a ces deux petites pièces qu'on avait gardées, les 35C.
à mettre un 5C ici. Alors, apparemment, elles viennent le petit bout. Voilà. Là, voilà, c'est ce qui tient le radiateur. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Tac, on passe ici. Alors ici, il faut mettre celui-là en premier. Alors, ils viennent là, mais ça vers le bas. C'est-à-dire que là, il y a du plus large, là, il y a du plus étroit, le plus étroit vers le bas, et on va venir visser ici avec de la AM aussi. Et il va venir se positionner quand même ici, là et là, sur ces deux petites vêtements. Ensuite, on agrafe. On agrafe ça, la face à l'avant. Or là, je ne pense pas qu'il y ait de bas. Ah, je vais mettre. Ouais, parce que voilà. Ouais, ça, ça c'est pas. Ça c'est disgracieux, ça. Je vais le mettre en bas. Voilà, comme ça, ce sera dessous. Voilà. Ensuite, on récupère la 36J. La 36J. Ok, celle-ci. Et là, ici, on récupère la 20B. Alors, vous imaginez, c'est pas d'hier. Voilà, et on vient la positionner ici. Il y a un petit plat. Petit plat et un petit creux. Un petit plat. Tac, voilà. Donc ça, ça c'est fait. Et on va positionner ça. Ça vient ici. Ça vient au-dessus de ce tuyau. Voilà. Ça, ça va rentrer dans le trou. Doit y rentrer ici. Voilà, là c'est en place, si ça veut bien tenir, qui bouge un peu encore. On y met de AM aussi. On peut mettre ça un peu de côté car on va monter cette partie. Cette partie et celle-ci. Non, c'est bien ça, oui, ça vient dessous. Voilà. Ça vient là dessous. Alors pourquoi ils ont mis ça? Ça c'est un peu bizarre. Non, je comprends pas, mais bon. Voilà. On va faire un drame. Là, on y met deux vis à pied. Ça, je m'en dis très mal. Ça, je m'en dis vraiment pas bien. Voilà. Ah, pour le coup c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible.
terrible, il y a quelque chose qui va pas. Je ne peux pas déjà. Ah, là ça va mieux. Voilà. Ah, au moins ça jointe. Petit coup de cutter sur l'emboîtement et de suite ça va mieux. Voilà, là ça jointe comme il faut. Ça jointe comme il faut là. Voilà. J'ai mis un petit coup de cutter et ça jointe déjà mieux. S'il faut reprendre les pièces à chaque fois, on n'est pas sorti de la berge. Et ça, on va venir le mettre. Alors, est-ce que c'est là en bas? J'aimerais bien savoir où ça va. Et ça vient là-dessus. Ça vient d'un aide de trous là. Alors, ah ben voilà, il était tout seul. Voilà, peut-être que ça s'est mis tout seul là. Voilà, mais il faut que je l'emboîte là dedans quand même. Ça y était. Ah, ça y était. Voilà. Ensuite, je pense qu'on va mettre le couvercle là. Si on ne se trompe pas. Voilà. Ça s'emboîte juste. Alors, comme ça. Non, comme ça. Oui, parce que là, il y a celui-là qui va prendre celui-là. Ouais, voilà. L'autre qui doit emboîter en bas. Voilà, donc celui-là il rentre là aussi et celui-là il clipse celui-là. Voilà, voilà, c'est comme ça. Il nous reste à mettre ça. Constate. Alors, ouais, comme ça. Est-ce qu'on voit là? Oui. Et il nous reste à mettre la barre, cette barre ci, la barre en fer. Voilà. Et on garde la barre de torsion qui vient là, évidemment. Normalement qui vient là. Mais pas dans ce sens. Là, sûrement. Voilà, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre? Je ne sais pas. Je ne sais rien. La barre de torsion elle vient là. Normalement, l'anti-rapprochement. Voilà. Tac. Voilà. Et bien c'est fini pour ce 36. Voilà ce qu'on fait. On a avancé un petit peu sur le devant de notre moteur, tout ça. On a mis le truc, je sais pas si du filtre, bon, enfin bref.
porte. Et puis voilà, on a fini pour ce 36. Donc, pour vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, pour continuer cette Nissan Skyline GT-R de chez Altaïr, et bien à tous, portez-vous bien, et puis allez, salut.